merveilleuse qu'il fait dans nos vies ici. Nous sommes à 28 jours de l'anniversaire de l'Église. Quelqu'un dit « Wow ». On va célébrer 9 ans de la grâce de Dieu, 9 ans de la faveur de Dieu. Qu'il connaît la signification du chiffre 9. 9 signifie... Le chiffre 9 signifie l'enfantement, la naissance. Et depuis, j'ai commencé à prier, me préparer pour l'anniversaire. Le Seigneur me dit, ces 8 dernières années, renaissance, vous étiez dans le ventre. Est-ce que vous êtes prêts pour sortir? Oh, est-ce que vous êtes prêts pour briller? Est-ce que vous êtes prêts pour accomplir tout ce que le Christ a mis en vous? Ce sera une année très importante. Sois sûr d'avoir ton pagne. Gloire à Dieu. Prends ton pagne. Et porte-le, on sera en train de porter le pagne le 11, le jour de la célébration. Et on portera ça aussi à d'autres événements au cours de la 9e année. Donc, sois sûr de pouvoir prendre ton pagne et être prêt pour l'anniversaire. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a distribué les cartes pour le dimanche prochain? Service d'ordre, 7 cartes à chaque adulte. Dimanche prochain, chacun vient avec quelqu'un dans la maison de Dieu. Nous serons en train de célébrer le Thanksgiving. L'action de grâce, la célébration d'action de grâce. Et nous voulons que tout le monde ait quelqu'un ce dimanche-là dans l'église de Dieu. Donc tous ceux qui sont adultes, prenez 7 cartes et une carte par jour. Dis avec moi, une carte par jour. Challenge-toi pour inviter quelqu'un que tu n'as jamais invité. Encourage ceux que tu as invités avant qu'ils ne sont jamais venus dans la maison de Dieu. C'est le service de l'Éternel. Dis avec moi, c'est le service de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à donner au Tout-Puissant? Donner nous rend comme Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui donne. À tout moment, il est dans une position où il est en train de donner quelque chose à ses enfants. Il nous donne le souffle de vie et il nous donne des habiletés. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu donne la semence au semeur. Quand Dieu voit en ton cœur le désir de semer, il t'accordera cette semence. Et sois sûr de l'utiliser pour l'avancement de son œuvre. Gloire à Jésus. Je vais demander à la chorale de nous aider. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la chorale? Ouh! Une autre dimension. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour la chorale. Je suis émerveillé, touché par la louange. Demande à la chorale, qu'est-ce qui a changé? En tout cas, continuez dans ce chemin. La louange est merveilleuse. Amen, amen, amen. Ils vont nous aider à donner joyeusement au Seigneur. Ceux qui sont dans l'église de Dieu, d'autres vont donner en espèces, les services d'autres seront là pour pouvoir prendre vos offrandes. Si tu es en ligne, tu peux donner par le PushPay ou le PayPal. Dans l'église de Dieu, il y aura quelqu'un qui va vous aider aussi avec vos dons électroniques. Si tu écris un chèque, écris-le au nom de Rebirth. Hallelujah. Et depuis la France, nous avons un compte, vous pouvez faire vos transferts. En Côte d'Ivoire, nous avons un numéro d'Orange Money. Sois sûr de supporter l'œuvre de l'Éternel ce matin. Je veux prier pour ceux qui n'ont rien à donner aujourd'hui. Tu as 0 $ à ton nom. Rien comme rien. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de support, tu ne reçois rien. Mais ton cœur aime Dieu. Je vais prier les prochains 30 jours, Dieu te donnera quelque chose. Sois sûr de pouvoir apporter à sa maison. Amen. Glorifions le Seigneur. Thank you.
gloire à Jésus. Étends ta main vers le panier. Nous proclamons ce matin, Jésus a détruit le pouvoir de la pauvreté. Il a détruit le pouvoir du manque. Et son peuple aura toujours de quoi donner au Seigneur. Éternel Dieu de l'univers, bénis ces dons que nous avons pu apporter parce que tu as donné en avance. Que ta grâce, Seigneur, se multiplie sur ce que ton peuple a donné. Nous avons une mission dans cette maison de Dieu, celle-là de faire des disciples. Je prie que cette offrande accomplisse cette mission à ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs fidèles qui tous les jours se soucient de l'avancement de ton œuvre au travers de leurs dons. Je proclame ta bénédiction sur eux. Leur témoignage sera différent des autres car ils te servent différemment. À toi la gloire, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dispose ton cœur à sa parole. Merci Jésus. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Dispose-toi ce matin. Dieu veut parler. Tel qu'il est. Dans le ciel. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner des clés pour créer une atmosphère céleste sur la terre. L'atmosphère du ciel sur cette terre. Tu vas lui demander de te parler. Tu vas lui demander de faire taire tout ce qui est distraction et de t'aider à la sortie de ce culte. L'atmosphère autour de toi, en toi, dans ta maison, soit comme il est dans le ciel. Merci Jésus. Alléluia. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin, je loue ton nom, je t'aime tant. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Tu es mon premier, tu es mon rocher, tu es mon tout. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin, je loue ton nom, je t'aime tant. Thank you.
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant toi. Toi qui es assis sur ton trône, nous t'adorons. Celui qui vit au siècle des siècles, nous jetons nos couronnes devant toi en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par toi, ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Loue-le, il mérite la gloire, tout l'honneur. Loue-le, il est saint, 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 il est saint, saint, saint. Loue-le. Parle-nous, Seigneur, tel qu'il est dans le ciel. Donne-nous les clés à cette heure, afin de vivre plus proche de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, tel qu'il est dans le ciel. Dis, tel qu'il est dans le ciel. C'est ainsi que je veux vivre ma vie sur la terre. Aujourd'hui, Dieu va t'équiper en te donnant les clés pour créer une atmosphère céleste pendant que tu es sur la terre, attendant son retour. Et j'ai 6 clés à partager avec toi, si le temps me permet. Merci Jésus. Et ces clés-là doivent être des clés par lesquelles tu dois vivre au journalier. Pendant que je saluais les nouveaux qui partaient ce matin, il y a un qui s'est approché, il m'a dit, pasteur, merci pour la parole. Tu m'as donné des clés pratiques de qu'est-ce que je dois faire pour marcher avec ce Dieu. Et c'est la même chose que je veux faire ce matin avec le culte francophone. Dis avec moi, adoration continuelle. La première clé pour créer une atmosphère comme il est dans le ciel, c'est l'adoration continuelle. Demande à ton voisin, à quel chapitre es-tu dans le livre d'Apocalypse aujourd'hui? Crie le chapitre dans lequel tu es. Ah, j'attends les autres. Donne-moi ton chapitre, vite, vite, vite. Ne me lance pas chapitre 25 ici. Alléluia. Je me souviens, il y a une dame qui racontait une histoire. Il y avait une réunion de pasteurs, de serviteurs. Et elle voulait tester la connaissance biblique de chacun. Et elle leur a dit, allez dans la Bible, prenez le livre, je crois, de Amaria. Et elle leur demande, vous êtes là-bas? Il y a des gens qui disent, oui, pasteur, nous y sommes. Un livre qui n'existe pas. Gloire à Jésus, dit à quelqu'un, il faut connaître la parole. Tu dois être en train de lire Apocalypse parce qu'Apocalypse te donne de pouvoir avoir une idée claire de ce qui va se passer au ciel. Ça te donne de savoir est-ce que tu es prêt pour aller au ciel ou tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Parce que les activités qui vont se passer au ciel, c'est des activités qui vont se faire de manière continuelle, sans arrêt. Dis avec moi, adoration sans arrêt. Dis avec moi, une adoration continuelle. Quand tout va bien, je vais adorer mon Dieu. Quand tout va mal, je vais adorer mon Dieu. Quand tout va bien, je vais célébrer mon Dieu. Quand tout va comme je n'ai pas planifié, je vais glorifier mon Dieu. Un jour, il y a une jeune dame qui est venue me voir et elle me questionnait sur mon comportement. Et elle me dit, pasteur, je ne pense pas que tu es au courant de ce qui se passe. Et je lui demande, mais pourquoi je ne suis pas au courant? Elle dit, mais ton attitude ne révèle pas comme si tu savais le problème qui est en train de se passer. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu espérais que je fasse? Elle m'a dit, bon, être un peu quand même affecté, montrer des signes que tu es concerné. Et le fait de montrer des signes que tu es concerné et d'être affecté, ça va changer quoi? Ça va améliorer quoi? Une des choses au niveau de l'adoration, tu dois comprendre que ça te donne d'amener Dieu là où tu es. Parce que la Bible dit, il habite la louange de son peuple. Dieu a fait de ta louange sa résidence. Si tu as besoin que Dieu descende, c'est par ta louange que tu lui donnes la permission de descendre et d'être avec toi. Plusieurs croyants qui se retrouvent seuls, qui ont l'impression d'être isolés, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas l'adoration continuelle. Dis à l'Éternel ce matin, aide-moi à vivre une vie d'adorateur continuel. La Bible dit, ces adorateurs, ce sont eux que le Seigneur recherche. Dieu recherche ceux qui vont l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est, c'est là qu'il vit. Dis avec moi ce matin, je vais l'adorer de manière continuelle.
Quand tu es dans Apocalypse 4, le verset 8 à 11, la Bible dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Le matin, quand tu te réveilles, commence à bénir le Seigneur. Tu vas aller dans toute ta journée. Il y a des choses qui vont se passer qui sont bien. Il y a des choses qui vont se passer qui ne sont pas bien. Mais prends déjà ta décision depuis le matin. Quand je rentre le soir, je vais continuer d'adorer mon Dieu. Au cours de ma journée, je vais célébrer mon Dieu. Parce que lorsque je l'adore, je donne à Dieu de venir descendre. Et quand Dieu descend, tout est capable de changer. Amen. Dis avec moi, je vais adorer ce Dieu de manière continuelle. Ne pose pas ton adoration pour focaliser ta pensée sur tes problèmes. Quand je priais ce matin pour le culte anglophone, le Seigneur me disait, quelqu'un est venu avec un cœur lourd. Je n'ai pas ressenti la même chose pour le culte francophone, mais il y a des gens qui ont fait de leurs problèmes tout ce qui remplit leur pensée. Dès que tu prends le téléphone, tu les appelles, ou dès que tu les rencontres, toutes leurs conversations sont sur leurs problèmes. Si c'est ainsi que tu parles, la parole invite soit Dieu à l'œuvre ou ça invite soit l'ennemi à agir contre toi. La Bible dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Tu veux créer une atmosphère céleste sur la terre, tu dois vivre dans une vie d'un adorateur continuel. Tu n'attends pas de venir dimanche matin pour que la chorale t'amène quelque part. Plusieurs qui n'adorent pas aux journaliers, même quand ils arrivent à l'église, malgré l'intensité de l'adoration, tu vas les voir, ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à rentrer dans cette connexion. Et Dieu dit, la Bible nous rappelle ici, il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur. Ton adoration ne doit pas s'arrêter. Quand tu reçois une bonne ou une mauvaise nouvelle, ta décision est de dire, ok, j'ai compris, mais tu continues de glorifier Dieu, tu continues d'adorer Dieu. L'adoration ne peut pas être remplacée par tes plaintes. Tu ne peux pas être en train de te plaindre et au même moment en train d'adorer le Seigneur. Ton adoration crée une atmosphère où Dieu lui-même peut descendre. Et quand Dieu descend, tout peut arriver. Quand Dieu descend, il est capable de pouvoir changer ton eau pour devenir du vin. Crie avec moi, Seigneur, aide-moi à t'adorer de manière continuelle. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. L'adoration continuelle te donne d'avoir Dieu en ta pensée en tout temps. Quand le téléphone sonne, tu reçois l'appel du docteur qui te dit, ah, on a reçu tes résultats. Il y a des gens qui me font rire, ils vont à l'hôpital, ils donnent les mauvais numéros au docteur parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit. Ne m'appelez pas si les résultats sont mauvais. J'ai remarqué une chose. Des personnes peuvent être malades. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils ne montrent aucun symptôme de la maladie. Il y a des gens qui ont eu le sida pendant des années. Ils n'ont jamais su qu'ils ont eu le sida. Jusqu'au jour où on leur dit, ah, ton ex a été testé positif. Du coup, leur corps commence à battre. Ils se disent, il y a une possibilité que je sois malade. Ils font le test, ils découvrent qu'ils sont malades. Toutes leurs pensées se concentrent maintenant sur la mauvaise nouvelle. Ce qui occupe ta pensée, tu en deviendras. La Bible dit, comme un homme pense, c'est ce qu'il devient. Mais ce qui occupe ta pensée, c'est ce sur quoi tes yeux sont fixés. Ce que tu regardes va se transformer en ta pensée, va nourrir ta pensée. Ce que tu entends va se transformer en pensée, va nourrir ta pensée. Aujourd'hui, prends ta décision au fond du Tout-Puissant, que tu vas être un adorateur continuel, que tu vas adorer Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Tu vas l'adorer dans tes bonnes saisons, tu vas l'adorer dans l'été, tu vas l'adorer dans l'automne, tu vas l'adorer dans l'hiver, tu vas adorer Dieu en toute saison de ta vie, parce que c'est ta clé pour créer le ciel sur la terre. Quand tu lis Apocalypse, tu comprends qu'il y a des parties où le diable était toujours en fonction, mais ça n'empêchait pas ceux qui étaient dans le ciel de constamment adorer Dieu. Il ne se préoccupait pas de la bête, il ne se préoccupait pas de Lucifer. Un enfant du Seigneur doit prendre sa décision. Pendant que je suis sur la terre, je dois amener le ciel sur la terre. Et la fondation pour le faire, c'est une adoration continuelle. Crie ce matin, Seigneur, aide-moi à t'adorer de manière continuelle. Si tu ne sais pas chanter, chante. Si tu ne sais pas chanter, chante. Si tu ne sais pas chanter, chante. Tu ne sais pas quoi dire dans ton adoration à Dieu. Une autre clé importante que le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse nous révèle, c'est la contenance de la louange de ce peuple de Dieu-là.
les choses qui occupaient ce qu'ils disaient à Dieu, les paroles, le thème de leur louange. Et c'est ma deuxième clé que je veux partager avec toi. Ils se focalisaient sur la sainteté et la grandeur de Dieu. Si tu lis Apocalypse dans plusieurs endroits, tu vas voir saint, saint, saint à l'Éternel. Saint, saint, saint à l'Éternel. Nous devons nous rappeler que ce Dieu que nous servons, il est un Dieu saint. Nous sommes dans une génération qui a beaucoup peur des enseignements sur la sainteté. Parce que nous tous, nous voulons faire de l'à peu près. Dis Seigneur, aide-moi. Le plus tu prends le temps de glorifier Dieu parce qu'il est saint, ça va faire quelque chose dans ta vie. Ça va t'amener aussi toi à vouloir quitter ce qui t'éloigne de la sainteté de Dieu et devenir un enfant de Dieu qui marche dans les pas de la sainteté. Tous les jours quand tu adores Dieu, souviens-toi de lui dire « Tu es saint, tu es saint, tu es saint ». C'est ce que les 24 vieillards faisaient, c'est ce que les 4 créatures faisaient. Tous ceux-là qui étaient dans le ciel en train d'adorer le Seigneur, ils proclamaient toujours la sainteté et la grandeur de notre Dieu. Dis avec moi, ce Dieu que nous servons, il est grand. Dit ce Dieu que nous servons, il est grand. Un autre élément important de leur louange, ils parlaient du fait que Jésus-Christ a racheté le monde. Je vais lire ce verset avec toi. Merci Seigneur. Dans Révélation 5, 9 à 10, je suis dans 8 secondes. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il prenait le temps chaque jour de glorifier Dieu à cause du fait qu'il a fait couler son sang pour pardonner leurs péchés. Aujourd'hui, combien de temps prends-tu pour bénir le Seigneur parce que tu es sauvé? Est-ce que tu prends le temps d'adorer le Seigneur et le glorifier parce que tu es sauvé? Le salut n'est trouvé qu'en notre Dieu seul. Le salut appartient à ce Dieu-là. Et il y a une joie qui doit te remplir de savoir que tu es pardonné, de savoir que tu es sauvé. Plusieurs ne comprennent pas l'importance de la croix. Et même de manière naturelle, l'homme a très souvent tendance d'ignorer ou de négliger ce qui est véritablement important. Pour pouvoir comprendre l'importance d'une chose, prends le temps d'exclure cette chose de ta vie et voir comment ta vie allait être sans cette chose. Si aujourd'hui tu exclues l'œuvre de la croix, tu exclues le Seigneur, ta respiration même tu n'auras plus. Le sens de ta vie ne sera plus. Notre Dieu est ce Dieu-là qui est venu sauver. Et ceux qui veulent créer l'atmosphère céleste sur la terre, ce sont ceux-là qui sont toujours en train de se souvenir de l'œuvre de la croix. Ils se rappellent du grand prix que Christ a payé pour nos péchés. Le péché nous sépare de Dieu, mais à cause de ce que Christ a fait, dans ton adoration, tous les jours, souviens-toi du fait que tes péchés sont pardonnés. Souviens-toi que l'accusateur n'a plus rien à dire. Gloire à Jésus. On ne réalise pas l'importance du péché jusqu'à ce qu'on regarde combien ça coûtait à Jésus pour payer la crucifixion. Cette mort douloureuse et honteuse que notre Christ a dû subir, ça devait être toi et moi. C'était nous qui devons payer. Qui sont ceux qui s'y connaissent un peu avec le crédit aux États-Unis? Tu as une idée de comment le crédit fonctionne? Et dans ce pays, chaque 7 ans, quand tu as une dette qui est vieille de 7 ans, tu as le droit d'appeler le crédit bureau et puis ils effacent. Mais les créditeurs sont devenus aussi plus intelligents. Quand ils s'approchent de la 7e année, ils vendent la dette à quelqu'un d'autre et ils ravivent la dette de sorte que tu ne peux pas t'en défaire. Et je suis venu dire au peuple de Dieu, c'est comme ça le diable travaille. Le diable bouge, il déplace tes fautes. Et si Jésus-Christ, tu ne peux pas dire simplement, oh j'ai vécu cette ancienne vie, je ne suis plus cette personne, j'ai commencé à nouveau, j'ai démarré à nouveau, le diable ne peut plus rien avoir à dire sur moi. Si Jésus, son sang ne t'a pas couvert, ne t'a pas lavé, l'accusateur a toujours de quoi dire. Il est comme un caméléon.
Il est capable de bouger, de déplacer, mais toujours dans une habilité de t'accuser. Parce qu'il y a seulement de rémission de péché par l'écoulement du sang, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de ton adoration continuelle, de toujours bénir le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, pour le salut qu'il te confère à la croix. Souviens-toi que nous sommes rachetés seulement par Christ. Et ceux-là qui adoraient le Seigneur dans le ciel, quand tu observes Révélation, ils se souvenaient toujours de l'agneau immolé. Tu peux avoir de l'argent sur la terre, mais tu ne peux être sauvé que par Jésus. Tu peux avoir des milliards, des maisons, tu peux avoir des amitiés, tu peux avoir de la célébrité, mais le salut n'appartient qu'à une seule personne. Que ta louange puisse élever le nom de notre roi des rois. Dans leur louange, ils se souvenaient de tous les jours bénir celui qui a été immolé pour nos péchés. Alléluia. Dans leur adoration, ils parlaient aussi de la justice de Dieu. Dieu est juge. Il est juste dans ce qu'il fait. Et je rappelle à des personnes, quand tu es dans un cas où tu as besoin que Dieu intervienne, où tu es dans une situation d'injustice, que tu es un enfant de Dieu, ne te soucie pas, parce que notre Dieu, il est juste. Il dit ici dans le livre d'Apocalypse 15, 3 à 4, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirable, Seigneur Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait toi le Seigneur et ne te glorifiera pas? Car seul tu es saint, encore une fois, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Il glorifie Dieu parce qu'il est un Dieu juste. Il va passer un jugement qui n'est pas un jugement qui, comme le jugement de l'homme, où il regarde par l'extérieur, mais Dieu qui voit les cœurs, qui sait tout ce qui se passe, il nous juge de manière juste. Alléluia. Une autre contenance, c'est les avantages que ces croyants ont parce qu'ils ont été sauvés par l'agneau. Ils sont épargnés du lac de feu réservé à ceux-là qui ne sont pas lavés, qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang précieux de l'agneau. Quand tu adores le Seigneur, bénis-le pour les avantages que tu as eus. Il y a deux choses importantes que nous recevons du Seigneur. On reçoit sa merci, on reçoit sa grâce. Sa merci, c'est de ne pas recevoir ce que tu mérites. Et sa grâce, c'est de recevoir ce que tu ne mérites pas. Qui a une fois eu besoin de la merci de Dieu? Toi-même, tu sais que tu es coupable. Tu sais que si le Seigneur ne s'était pas levé pour toi, le juge allait te condamner. Mais aujourd'hui, je veux qu'on acclame le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, parce que nous recevons la merci du Seigneur. Nous recevons aussi des grâces imméritées de ce Dieu-là. Quand tu glorifies Dieu continuellement, ces choses-là doivent faire partie de ton adoration. Tu demandes à quelqu'un, prie, ils ne savent pas quoi dire. Ce matin, je t'aide. Parle de la sainteté de Dieu. Parce que ta louange n'est pas basée sur ce que Dieu a fait. Parle de la sainteté de Dieu. Adore-le parce qu'il est saint. Adore-le parce qu'il est grand. Adore-le parce que, à cause de ce qu'il a fait déjà à la croix du calvaire. Adore-le parce que tu as des bénéfices au travers du Christ. Adore-le dans sa justice. Tu veux créer l'atmosphère céleste? C'est ce qu'il faisait dans le ciel. Gloire à Jésus. La troisième clé importante, c'est dire à quelqu'un, jette ta couronne. Dis à quelqu'un, jette ta couronne. Jette ta couronne. Dans Apocalypse 4, le verset 10, la Bible dit, ils jettent leur couronne devant le trône. Qu'est-ce que ta couronne signifie? Ton ego, ta fierté. Ce qui fait de toi ce que tu es. Il y a d'autres même, ils se tapent la poitrine. Ils disent leur nom, le nom de leur papa, d'où ils viennent. Combien d'argent ils ont. Mais si tu veux créer l'atmosphère du ciel, il va falloir que tu déposes ces choses. C'est Dieu qui doit être levé et toi tu dois être rabaissé. C'est Dieu qui doit être glorifié et toi tu dois t'asseoir. C'est Dieu qu'on doit voir, c'est Dieu qu'on doit entendre. Si tu veux que le ciel descende là où tu es, tu dois apprendre à jeter ta couronne. Chaque fois qu'ils étaient devant Dieu, ils jetaient leur couronne. La signification de jeter ta couronne, c'est de manière complète, abandonner ta vie et dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans tes décisions de tous les jours, est-ce que tu prends le temps d'examiner, jeter ta couronne en disant, Seigneur, je vais faire ce que tu veux.
et pas ce que je veux. La génération que nous développons aujourd'hui, cette génération où le COVID est venu rendre les choses encore pires, on veut faire ce qui nous arrange. On veut faire comme ce qui va pouvoir montrer nos noms, au lieu de montrer le nom de Dieu. Mais Dieu ne peut pas descendre s'il n'est pas élevé. Il dit, quand je suis élevé, j'attirerai toute personne à moi. Quand je suis glorifié, je me manifesterai. Jette ta couronne pour que ces personnes permettent à Dieu de se manifester pour eux dans le ciel. Les 24 vieillards, ils jetaient leur couronne. Jeter ta couronne signifie me rabaisser pour faire sa volonté et pas ma volonté. Quelqu'un m'a appelé hier, j'étais tellement dans la joie. Elle m'a dit, pasteur, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai appelé mon frère avec lequel ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé. Et je lui ai dit, faisons la paix. Elle a mis à côté son orgueil et Dieu a été glorifié. Qu'est-ce que tu dois déposer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois dire, pour le Seigneur, je dépose cette chose. Pour le Seigneur, je ferai comme ça. Pour le Seigneur, je laisserai tomber. Pour le Seigneur, je ne ferai pas ma volonté, mais je ferai sa volonté. Ça ne marche pas avec toi, ça n'arrange pas ton temps, mais pour le Seigneur, tu vas faire le temps. Jette ta couronne. Si tu veux voir Dieu descendre, s'intégrer dans tes affaires, se glorifier pour toi, tu dois apprendre à déposer ce qui est toi, tout ce qui s'agit de toi, et que Dieu lui-même prenne le devant des choses. Tiens avec moi, je vais jeter la couronne de mon sac. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, ils n'ont pas encore jeté la couronne de l'argent. La couronne de maman assis sur la tête encore. Le Seigneur dit, donne-moi 10%, les premiers 10% de ton revenu. Ouh, cette couronne-là, vraiment, pour l'enlever de la tête de certains chrétiens, c'est une bagarre. Mais le ciel ne va jamais combattre pour toi. Je ne me souviens pas combien de fois Dieu m'a mis dans ce test-là. De dire, Dieu d'abord et moi après. Il y a plusieurs années en arrière, on se préparait à acheter une maison. J'ai vu une maison que j'aimais beaucoup. Et j'ai dit à mon époux, j'ai pris mes enfants, on allait prier autour de la maison. On a marché autour de la maison, proclamé, déclaré la maison. C'est pour nous. Et on a appliqué dans la grâce de Dieu, ils nous ont accepté, ils nous ont donné le contrat. Et en retour dans le processus, on a mis l'argent de côté, tout, pour pouvoir payer la maison. Et le téléphone sonne. On reçoit un appel de l'église d'Abidjan. Et ils nous disent, ah, les toits de l'église sont gâtés, il y a quelque chose qui s'est passé, tous les instruments ont pris un coup. Donc vraiment, on a besoin d'aide. Ok. Après, mon époux qui m'appelle, il me dit, ok, voilà la situation qui se passe avec l'église en Afrique. Je le regarde, je lui demande, mais l'argent va sortir d'où? Parce que je savais que mes comptes étaient vides. J'avais mis tout cet argent-là pour la maison. Et il m'a dit, ah, tu sais comment les choses marchent ici dans la famille? C'est Dieu d'abord. Dis avec moi, Dieu d'abord. Donc, il fallait que je fasse des ajustements. La maison qu'on a tant aimée, quand la Bible dit, recherche d'abord, premièrement, le royaume et sa justice. Souvent, c'est des événements véritables. Ça vient, tu comprends. Il y a un choix que tu dois faire. Soit c'est Dieu ou c'est moi. Donc là, je dis, Seigneur, je me rabaisse à ta volonté. On a appelé les gens, on dit, bon, on n'a plus d'argent, reprenez votre maison. On ne pourra pas acheter. Je vois le visage de certaines personnes devenir triste. Comme si toi, ta vie est réduite à une seule maison. Ou ta vie est réduite à une seule voiture. Dis le Seigneur d'abord. Je préfère voir la gloire de Dieu. Et quand cette gloire viendra, la Bible dit, toutes autres choses seront ajoutées par-dessus. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres maisons? Ah, demande à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres maisons? Le Seigneur va te donner d'autres choses si tu apprends à le mettre en premier. Tu veux que le ciel vienne vers toi? Dieu doit être premier d'abord. Et tous ceux qui disent qu'ils grandissent avec Dieu, ils passent par ce test. Si Dieu ne t'a pas encore testé, il te considère encore comme un bébé. Et c'est dangereux. Il a testé Abraham. Il teste tout le monde pour voir qui est premier, pour qu'il descende dans sa gloire pour toi. Donc la maison est passée, mais je me suis mise en prière, je dis Seigneur, le Seigneur n'est pas comme Gargamel, où il te montre les choses, là, 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 et puis il t'arrache. S'il t'a montré, il va te le démontrer, alléluia. Je dis, s'il t'a montré, il va te le démontrer. Je suis retournée dans ma chambre de prière, je dis Dieu, vraiment fais un chemin, je te sais capable. Et deux semaines après, les vendeurs nous rappellent, on n'a rien compris. Subitement, les gens qui devaient payer la maison ont décidé de ne plus acheter. Est-ce que vous êtes encore intéressés? Et entre-temps, Dieu avait permis que je vende une de mes voitures
et l'argent a été remis en place pour raccourcir une longue histoire. On a eu cette maison-là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je veux que tu jettes ta couronne. Quand Dieu parle, je veux que tu jettes ta couronne. Avant même de rentrer dans sa présence, ta vie aujourd'hui doit être cette vie-là. Où paix, je m'abaisse et que toi tu sois vu. Si aujourd'hui tu as gardé rancune, quelqu'un t'a fait du tort. Oh pasteur, tu ne comprends pas. Cette personne-là, jamais. Je vais pardonner à tout le monde, mais pas cette personne. Il ne m'a pas reconnu comme son enfant. Il y a des gens qui parlent pas aujourd'hui à leur papa. En grandissant, il a fait des injustices. Jette ta couronne pour le Seigneur. Parce que si tu ne démontres pas l'amour, le ciel ne peut pas descendre pour toi. Oh, ces gens-là m'ont dupé. Ils ont pris mon argent. Ils ont mal parlé de moi. Ils ont fait des commérages à mon sujet. Aujourd'hui, des gens qui me connaissaient ne m'aiment plus. Jette ta couronne, dis à quelqu'un, jette ta couronne. Aujourd'hui, les gens qui me respectaient ne me respectent plus. Jette ta couronne. Il s'agit de Jésus. Ces 24 vieillards, ils avaient vu beaucoup. Ils sont vieux, ils ont vu plusieurs choses. Tu as vu beaucoup, mais continue de jeter ta couronne. Avec tout ce que tu as expérimenté, continue de jeter ta couronne. Souviens-toi que c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. Aujourd'hui, laisse la gloire à Dieu. Laisse tomber ton ego. Laisse tomber ton orgueil. Souviens-toi que c'est le nom de Christ que tu portes. Si tu veux faire descendre le ciel, comme la volonté de Dieu est faite dans le ciel, tu dois pouvoir dire, je laisse à cause du Seigneur. Tu dois pouvoir dire, je donne à cause du Seigneur. Plusieurs personnes ont même arrêté d'entendre la voix de Dieu parce que lorsque Dieu demande un sacrifice, ils ont toujours une excuse. Seigneur, je ne pourrai pas parce que. Quand il s'agit de Dieu, dis avec moi, quand il s'agit de Dieu, je jette ma couronne. Je veux le voir dans sa gloire. La troisième, la quatrième clé pour pouvoir créer l'atmosphère du ciel, c'est la prière. Va dans Apocalypse 8, le verset 4. La Bible dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange de Dieu. Il faut rendre ton ange occupé. Donne du travail à ton ange. Ne permets pas à ton ange de ne rien avoir à faire. Hier, il est allé vers toi. Est-ce qu'il est monté au ciel avec quelque chose? Quand l'ange arrive, il doit amener quelque chose à Dieu. Sache que Dieu veut répondre à ta prière. Car il dit, si tu demandes, je vais te donner. Mais la Bible nous dit aussi, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Or, si on demande de manière amice. On demande mal. Tu dois demander la volonté de Dieu. Tu dois demander les paroles de Dieu. Il est très important de lire sa Bible et de connaître la volonté de Dieu. De sorte que tu ne pries pas en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne pries pas à l'écart de ce que Dieu veut te donner véritablement. Toujours je vous raconte cette histoire, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui écoutent. Je vous raconterai l'histoire. Une fois, j'étais allé chercher une jeune dame pour me faire mes cheveux. Pour une raison ou une autre, je ne voulais pas aller chez elle. Donc je l'ai pris, je l'amenais chez moi. En chemin, son téléphone sonne. Et elle parlait, ah prophète, vraiment. Continue d'intensifier les prières pour que le mari de cette dame-là me revienne. Le mari d'une autre dame va te revenir. Et d'intensifier des prières. Ce ne sont pas des prières faites à Dieu. Ce ne sont pas des prières faites selon sa volonté. Mais quand des personnes sont ignorantes ou des personnes prennent le désir d'ignorer ce que Dieu dit, la prière n'arrive pas au ciel. Il y a des prières qui restent dans la chambre où tu as prié. Ça ne dépasse pas ton toit parce que c'est l'ange qui amène ta prière au ciel. Ta prière ne va pas à Dieu juste parce que tu as prié. L'ange doit récupérer et monter au ciel et montrer à Dieu. Donc si l'ange lui-même il regarde, il dit ce paquet là je ne prends pas. Est-ce qu'il n'y a pas UPS ou la poste qui arrive chez toi et dit ce paquet-là est mal emballé, va mettre du scotch dessus, ou ce paquet-là est fragile, écrit quelque chose pour, notarier, mais je ne vais pas pouvoir poster dans l'état dans lequel c'est. Il y a des prières que l'ange ne prend pas. Et te voici sur la terre en train de pleurer. Te voici ici en train de pouvoir pleurer, douter, te demander qu'est-ce qui se passe, être traumatisé. Mais ta prière n'a pas touché le ciel parce que l'ange n'a pas récupéré cette prière. Tu veux créer une atmosphère céleste sur la terre, tu dois prier des prières selon la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu, tu ne vas pas écouter ce que quelqu'un veut dire. Tu vas dans la Bible. Il y a deux temps dans ma journée que je chéris le plus.
mon temps de méditation. Je ne peux pas attendre le matin de me réveiller pour prendre le temps de lire ma Bible. Et le soir, avant de me coucher, je prends un temps de lire ma Bible. Je chéris ce moment-là parce que ça va te donner de savoir ce que Dieu veut, de prier en conséquence. Ne prie pas en te demandant pourquoi Dieu ne m'exauce pas. L'ange n'a pas pris la prière. Dis avec moi, je vais prier des prières selon Dieu. Tu veux créer le ciel sur la terre. Au ciel, les prières des saints montent à Dieu avec la fumée des parfums du Roma. Ça crée une atmosphère glorieuse. Et tu dois prier. Ta prière n'est pas ta plainte. Alléluia. Ceux qui attendent de vouloir prier avant de prier, vous n'allez pas prier. Tu dois prier parce que ça crée l'atmosphère céleste. Ça amène Dieu. Ça amène l'atmosphère qui est dans le ciel, qui permet à Dieu de pouvoir tout faire. Aujourd'hui, si tu sens que ta vie de prière a pris un coup, je prie et je proclame, reçois cette grâce de pouvoir prier encore. Reçois cette grâce de pouvoir te connecter encore au ciel. Active ton ange. Donne quelque chose à l'ange pour aller au ciel pour toi. De sorte qu'il aille et qu'il revienne avec quelque chose pour toi. Le livre de Révélation est un livre vivide. Ça nous montre clairement ce qui se passe au ciel. Au ciel, adoration continuelle. Au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui a une couronne à part Dieu. Ici, là, tout le monde veut porter couronne. Tout le monde veut faire comme il veut. Au ciel, on ne fait pas comme on veut. On fait seulement comme Dieu veut. Et si tu veux créer le ciel sur la terre, tu dois faire comme Dieu veut. Je prie la grâce de Dieu de la prière, qu'il déverse sur toi aujourd'hui l'esprit de la prière. Car ta prière doit aller à Dieu pour que Dieu puisse opérer pour toi. Dis avec moi, je vais prier. Dis avec moi, je vais prier. Mais je vais prier la volonté de Dieu. Et pour connaître cette volonté, je dois aller à sa parole. Cinquième clé. Il y a une attitude que j'ai beaucoup appréciée au ciel. Tout le monde est en attente de ce que Dieu va dire. C'est comme si c'était sur les lèvres de ce que Dieu va dire, prêt à attendre. Ça me rappelle un peu comment les gens jouent le football américain. J'ai mes enfants qui sont super bien dans le football. Chaque fois que je vais au terrain, tout le monde m'arrête et me demande, ah, ce sont tes enfants, ils jouent bien. Mais moi, je ne comprends rien dans le football américain. Et puis, je n'aime pas le froid. Donc, très souvent, je ne vais pas regarder les matchs parce que j'ai froid facilement. Hier, j'ai décidé d'aller parce qu'ils sont maintenant en play-off. Tu perds, on te chasse. Et ma fille m'a appelé, elle dit, maman, quand tu vas prier, je dis, ne t'inquiète pas. Quand je vais là, je descends sur le stade, je prie. Quand je suis arrivé, il gagnait 14 à 7. Je suis descendu sur le stade, j'ai commencé à parler en langue. J'ai dû laisser les gens dans le stade parce qu'ils allaient me déranger dans la prière. Je suis descendu sur le terrain, commencé à parler en langue. L'équipe qui voulait commencer à gagner, soudainement, ils ont commencé à perdre tout. Les enfants ont gagné 35 à 14. Oh oui, moi je mets Dieu dans tout. Je mets Dieu dans tout. Ma maman même qui m'a mis au monde, là, quand elle regarde le film, elle prie. Elle a tellement la foi. On a déjà regardé le film, mais elle prie pour le film. Pour vous dire, comme mon héritage de la foi, là, c'est comme ça ma maman prie. Moi, je prie au moins pour un match qui ne s'est pas encore passé. Alléluia. C'est sérieux. Donc, je suis allé regarder le match. Je ne comprends rien dans le match. Mais j'étais attiré par ceux qui doivent recevoir la balle. Ils sont en position. Ils savent que dès qu'on me donne la balle, je cours. Donc ils ont une attitude, ils sont prêts. Parce que si tu n'es pas prêt, tu rates la balle, on perd. C'est l'attitude qui se passe au ciel. Quand Dieu veut parler, tout le monde attend. Dès qu'il parle, on court pour l'accomplir. Même Habakkuk dit, écris la vision, de sorte que celui qui court puisse la voir. Une fois que c'est libéré, je saisis et je cours pour accomplir. Tu veux créer le ciel sur la terre? Tu dois d'abord entendre de Dieu et agir après. Mais de nos jours, les croyants, ils agissent d'abord. Et maintenant, ils vont aller chercher les pasteurs. Vraiment, qu'est-ce que Dieu a dit? Pasteur, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Pasteur, on va faire cette histoire-là comment maintenant? Ta maman qui t'a mis au monde dit, la femme, il ne faut pas la marier. Mais tu l'as mariée quand même. Ton papa qui t'aime t'a dit, laisse ce monsieur. Tu t'es caché. Comme tu es à l'étranger, ici, les mariages, ça ne coûte pas cher. Tu as couru, tu es allé à la justice, tu as signé les papiers. Et maintenant, il y a le feu. Tu appelles maman. Tu appelles papa. Croyant, tu veux amener le ciel sur la terre.
tu entends de Dieu et tu agis après. Tu vas amener le ciel sur la terre, tu reçois l'instruction d'abord de Dieu et ton action va suivre. Alléluia. Tu attends que Dieu se révèle et tu fais ce que tu dois pouvoir faire après. Au ciel, Dieu donne d'abord l'instruction pour que les personnes passent à l'action. Tu veux le ciel sur la terre, dis Seigneur, aide-moi à ne rien faire tant que tu n'as pas donné le feu vert. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à ne rien faire tant que toi, tu n'as pas donné le feu vert. L'obéissance des personnes au ciel était une obéissance joyeuse. Dans un engouement, dès que Dieu donne une instruction, à une vitesse, les anges se mettent à l'œuvre. Tout le monde bouge, tout le monde a sa place. J'ai enseigné un enseignement très, très important. Le vendredi, si tu as raté, va l'écouter. Ça disait, je dois y être. Ça parlait du festin des noces de l'agneau. Et pour y être, puisque la date, elle est loin, quand on t'invite et puis tu ne te prépares pas, ben tu ne mets pas un rappel, tu risques de rater l'invitation. Ça m'arrive tous les jours. Si je n'ai pas mis dans mon calendrier, il faut te dire que je vais oublier. Alors, nous devons vivre notre vie en préparation. Nous devons accommoder nos journaliers en esprit que le festin du noce de l'agneau arrive. On ne doit plus être ces chrétiens qui font d'abord comme ils veulent et après, ils cherchent à mettre Dieu dedans. Daniel, là, il a été sauvé par Jésus parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Daniel et ses amis, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que tout le monde doit se rabaisser devant l'image. Quand on entend la trompette, tout le monde doit se rabaisser devant le roi. Mais ils ont entendu que Dieu leur dit, je suis l'Éternel ton Dieu, il n'y aura pas d'autre personne devant toi. Tu te prosterneras devant aucune autre personne. Donc ils ont entendu l'instruction de Dieu et il a fait ce que Dieu a dit. Si tu fais ce que Dieu dit, ça te met en problème, ne t'inquiète pas, Dieu va te délivrer. Parce qu'ils ont obéi, ils se sont retrouvés dans la fosse, dans le feu. Ils ont monté la funèse. Mais quand ils ont monté la funèse, la quatrième personne a apparu. Parce que cette quatrième personne vient toujours pour te secourir quand tu fais ce qu'il a dit en premier. La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume, sa justice et toute autre chose. Mais le diable nous a menti. C'est le toute autre chose là qui nous préoccupe. Toute autre chose qui attire notre attention. Et la recherche du royaume a commencé à ne plus être primordiale. Mais ce matin, je prie que cette parole tombe dans l'oreille de quelqu'un qui veut créer l'atmosphère céleste sur la terre. Il va d'abord attendre Dieu. Il va être dans une position où il est prêt, où il a envie. Quand je lis la Bible, Dieu ne parle pas à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Dieu ne donne pas à manger à ceux qui n'ont pas faim. La Bible dit ceux qui ont faim seront remplis. Dieu parle à ceux qui veulent entendre. Comment je le sais? Il n'a pas parlé à la veuve, bien que c'est elle qui devait préparer le pain. Il a parlé au prophète parce qu'il était disposé à entendre Dieu. Ce matin, est-ce que tu as une prédisposition de l'esprit, de cœur, de vouloir entendre Dieu, de vouloir recevoir des instructions et automatiquement obéir avec joie? Dis, Seigneur, donne-moi cet esprit-là. Ces personnes qui n'entendent pas de Dieu, là, on vous raconte des bobards. Parce que comme tu n'as pas entendu de Dieu, tu cherches quelqu'un qui lui aussi n'entend pas, qui te raconte du n'importe quoi. Au ciel, tu veux créer le ciel sur la terre, recherche de vouloir entendre Dieu, que ton cœur soit prêt, prédisposition. On doit sentir que tu as envie. Quelle était la dernière fois que tu as prié? Dieu, parle-moi, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Dieu, révèle-toi. Tous les sujets de prière des gens aujourd'hui, bénis-moi. Je veux me marier, je veux un enfant, je veux un travail, je veux l'argent, bénis-moi. Ces prières-là, ça n'amène pas le ciel sur la terre. C'est l'inverse. Seigneur, que puis-je faire pour toi? Seigneur, comment puis-je t'honorer? Et quand tu dis tout cela, les bénis-moi, les mariages, les enfants, l'argent, lui-même, là, il ajoute. Dis, Saint-Esprit, aide-moi en ce jour. La cinquième clé. Je suis à la cinquième. Attends de Dieu, la sixième clé, vive une vie d'alliance. Qui sait que Dieu est le Dieu de l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance? Je vois des chrétiens prier. Oh, je prie et j'appelle le Dieu de l'alliance de se glorifier pour moi. L'alliance, c'est une promesse qu'on
conditionnel. C'est-à-dire, si je fais ma part, l'Éternel fera sa part. Et si tu vas amener le ciel sur la terre, tu dois vivre dans cet esprit. J'ai beaucoup aimé la version française. Et en image avec la version anglaise, ça me donne de comprendre que nous n'avons pas bien compris qu'est-ce que c'est que le témoignage. La version française dans Apocalypse 15, le verset 5 dit, « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » La version anglaise nous dit, « C'est le temple du tabernacle de la loi. » Dans ton témoignage là, c'est la loi. Ça veut dire, ce dont tu témoignes, ce que tu manifestes, ta vie de tous les jours, ce qui se passe, ça doit être la loi de Dieu. Ce que la Bible dit, les desseins de Dieu, les principes de Dieu, ça doit être ton témoignage. Dis Seigneur, fais de ta loi mon témoignage. Fais de ta loi ce qui va se matérialiser dans ma vie au journalier. Fais de ta loi mon quotidien. Dieu est un Dieu de l'alliance. Tu veux que le ciel descende, il faut que tu saches que je dois faire ma part. Je dois marcher dans ses lois, je dois marcher dans ses voies. Afin que ce Dieu-là accomplisse ses promesses pour moi. La dernière clé que je veux te donner, c'est la communion fraternelle. Ouh! La diversité et le regroupement. Ne sois pas un chrétien isolé. Quand tu lis dans le livre d'Apocalypse 7, de 9 à 10, la Bible dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Il y a même certains autres versets dans la Bible qui disent les petits et les grands. Ne limite pas Dieu à ta tribu ou bien à ceux qui parlent ton langage, ton dialecte ou à ceux qui ont ta couleur. Je dis ce que je suis en train de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont racistes, mais vous ne savez pas. Dans leur cœur, ils sont racistes, il y a un choix à faire, ils vont seulement choisir les gens de leur couleur, les gens qui parlent leur langue. Il y a des gens même jusqu'aujourd'hui, malheur, si quelqu'un marie quelqu'un qui ne parle pas leur langue. Mais la Bible nous dit au ciel, il y avait des personnes de toutes tribus. On doit devenir des chrétiens qui ne mettent pas des barrières sur ceux qui n'ont pas notre couleur, qui ne mettent pas des barrières sur ceux qui ne sont pas comme nous. Tu veux créer le ciel sur la terre, tu dois être un chrétien qui peut vivre dans une communion fraternelle. Comment vivre dans la communion fraternelle? Garde tes yeux sur toi-même. Ne fais pas de commérage sur la vie de quelqu'un d'autre. Ne crée pas de problèmes. Garde l'unité de l'esprit. Il y a une dame qui m'a appelée. Elle dit, « Oh pasteur, je suis vraiment tellement affectée. Je sais que tu as entendu parler du shooting qu'il y a eu dans le mall. » Je dis, « J'ai vraiment pas entendu parler parce que mes yeux sont sur moi-même. » Une autre personne était venue me voir à l'office. Il dit, « Aujourd'hui, je dois te présenter mon ami. » Et puis c'est un garçon. Il dit, il n'y a pas de problème, présente-moi ton ami. L'ami, il la rentre. Je commence à avoir des doutes. C'est un garçon, mais c'est une fille. Voilà les hommes qui arrivent ici. Mais par la démarche et par les gestes, ça là, ce n'est pas une fille. Mais comme je suis dans leur communion, j'ai écouté, ils sont partis à la maison. Deux semaines après, il m'a appelé, soufflé. Parce que je ne suis pas comme ça, hein. Ce que tu pensais là, parce que je ne savais pas, mais j'ai découvert. Je dis, mais tu as découvert comment? Parce que je sais que ce n'est pas ta femme ou bien ce n'est pas ton mari, tu as découvert comment? Mais tu veux vivre dans la communion, il ne sois pas le croyant qui regarde les autres, ce que les autres ont, ce qu'ils n'ont pas, qui s'occupe de problèmes de quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir être dans la communion. Comment je reste dans la communion? Je me focalise sur Dieu. Ces personnes ont été ensemble. Ce qu'ils faisaient, la Bible dit, ils étaient revêtus de leur robe blanche. Ils montaient leurs palmes au ciel et ils adoraient Dieu. Tu veux garder l'unité là où tu es, dans ta famille, au travail, dans l'église. Garde tes yeux sur tes problèmes. Ne mets pas ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe chez ta soeur, chez ton frère. Ce qu'ils ne t'ont pas dit là, laisse comme ça. Si tu veux garder l'unité,
Au ciel, personne ne se souciait. Chacun avait sa robe. Tout ce qu'il faisait, c'est de servir Dieu. Si nous voulons développer une communion fraternelle forte, nous devons nous concentrer sur ce Dieu que nous sommes venus servir. On ne doit pas se concentrer sur qui a quoi, le problème de qui est en train de se passer, quoi, qui est de quelle couleur, qui est marié, qui n'est pas marié. Si tu veux amener le ciel sur la terre, focalise-toi à garder une communion fraternelle avec les autres chrétiens comme Dieu veut. Et pour le faire, sépare-toi de tout ce qui est commérage. Ne cherche pas à savoir plus que ce qu'eux-mêmes ils t'ont dit. Gloire au roi des rois. Dis, je vais amener le ciel sur la terre. Comme il est dans le ciel, je veux qu'il soit sur la terre. Tiens-toi debout, nous allons prier. Vive pour toi, vive pour toi, ô Jésus. Mon désir est de t'aimer et de vivre pour toi. Tu vas aller devant la présence de Dieu ce matin. Il a donné des clés pour créer l'atmosphère céleste sur la terre. Il veut que tu sois constamment dans un état de l'adorer. Il veut que le contenu de ton adoration soit sur lui, sa sainteté, sa grandeur, l'agneau immolé, sa justice. Il veut que tu déposes tout ce qui est ego et orgueil pour sa gloire. Il veut que tu pries, que tu vives dans cette vie d'alliance. Que tu sois prêt à entendre et à obéir. Et que tu vives dans une communion fraternelle. Chacun de nous a une étape à prendre ce matin. En regard de la parole que tu as reçue. Si tu m'entends aujourd'hui et tu n'as pas donné ta vie encore à Jésus, un jour cette vie que nous voyons sera balayée. Et Dieu seul va résister. Je t'apporte l'invitation du ciel. Viens à Jésus aujourd'hui. Le salut appartient à notre Dieu. Comme le livre d'Apocalypse le proclame. Alléluia. Ta vie de prière a pris un coup. Il y a plus de plaintes que de prières. Tu passes des jours sans te connecter à sa parole. Mais ce matin, tu as entendu Dieu. Et tu veux créer le ciel sur la terre. Viens à l'autel. Je vais prier pour toi. Alléluia. Si tu es en ligne, dispose-toi et reçois sa grâce ce matin. Merci Jésus. Vive pour toi. Vive pour toi, ô Jésus. Mon désir est de t'aimer et de vivre pour toi. Dieu te donne la grâce de l'adorer continuellement. Que ce matin, il enlève tes yeux sur tes problèmes et qu'il les ramène sur lui. Viens à l'autel, il t'appelle ce matin. Quelqu'un veut se rapprocher plus du Seigneur aujourd'hui. Quelqu'un veut devenir celui-là qui sera une source d'une communion fraternelle meilleure. Parce que tu vas aimer, tu ne vas plus juger. Tu vas supporter, tu ne vas plus rejeter. Alaya sotore, ya mama 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 mama. Il t'appelle à son hôtel aujourd'hui. T'es adoré.
dépose ma vie à tes pieds, Seigneur. Dis-lui, je dépose ma vie. Je jette ma couronne pour toi, Jésus. Je laisserai tomber. Je pardonnerai à cause de toi, Seigneur. Quelqu'un peut parler à Dieu en regard à la parole que tu as reçue. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider. Tu veux déposer ta couronne. Tu veux faire comme il veut. Plus ta volonté, mais sa volonté. Plus ta volonté, mais sa volonté. Dis-lui de t'aider aujourd'hui. Dis-lui de te venir en secours. Car tu veux le glorifier. Tu veux l'adorer. Tu veux être ce croyant qui fait d'abord comme Dieu veut, qui entend d'abord de l'Éternel. Alléluia, dit t'adorer. Sur ton oreille, dis Seigneur, je veux t'entendre. Mets ta main sur ton oreille ce matin. Dis-lui d'ouvrir ton oreille, que tu l'entendes. Que tu reçois la grâce de la distinction des voix. Que tu saches quand c'est Dieu qui parle. Et dis-lui que je veux t'entendre, Seigneur. Dis-lui, tu veux l'entendre, tu veux l'entendre, tu veux l'entendre. Mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, donne-moi ta soif, donne-moi ta faim.
Donne-moi ta soif, donne-moi ta faim. Car Dieu te donnera à manger quand il voit que tu as soif. Dieu se révélera à toi quand il voit que tu as faim de lui. Utilisez nos commentaires pour passer vos numéros de WhatsApp. Quelqu'un de l'équipe va se connecter avec vous, prier avec vous et vous aider à faire descendre le ciel sur la terre. Avant qu'on se sépare, nous allons amener nos dîmes à la maison de l'Éternel aujourd'hui. Tout ce que nous avons reçu, nous amenons le premier dixième au Tout-Puissant. Tu peux le donner en zèle, en cash-app, les numéros seront partagés. Tu peux aussi le donner dans l'église de Dieu, les services d'ordre seront là pour t'aider dans ces dons. Si tu donnes à la carte, il y a quelqu'un à la table des hors-chœurs qui peut t'assister avec tes dons à la carte. Gloire à Jésus. Dis, je vais jeter la couronne de mon argent pour le Seigneur. Chorale, aidez-nous à donner joyeusement.
capable reçoit la gloire. Dieu capable reçoit l'honneur. Voilà les dîmes de ton peuple. Merci. Tout ce qui est sur cette terre existe parce que tu as créé. Ce que nous avons déposé ce matin existe parce que tu as donné. Merci. Avec confiance, nous savons que le dévoreur est chassé. Que nous marchons dans l'abondance que nous recevons de notre Dieu. Lève les mains, reçois sa bénédiction maintenant que tu pars. Que cette semaine, tu vives dans l'atmosphère céleste. Que tes prières puissent être récupérées par ton ange envoyé dans le ciel. Que tes journées soient des adorations continuelles à la gloire de Dieu. Vis le témoignage de notre Seigneur au nom précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, amen. Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, pour ce dimanche, aie quelqu'un dans la maison de Dieu. Nous célébrons l'action de grâce.